Ah, let's go. Bonjour tout le monde. Laissez-moi pas m'y mettre. Bonjour tout le monde, ici votre hôte Kenny. Aujourd'hui, on va jouer à The Legend of Heroes. Avant ça, soyons calmes. Relaxons-nous, endormissons-nous durant le stream. Et laissez-moi préparer le jeu. Plus jamais fait ça. Yoshi. Let's go. Ah ouais. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous-tu aujourd'hui? Dans ce beau temps du... On est quoi aujourd'hui? 10? Ah, ce beau 10 février. Comment allez-vous-tu? Enflammé, d'accord. Tu te sens comme un Pokémon aquatique dans des flammes. Jeu. Premièrement, ça. Deuxièmement. Je me prépare avant pour le stream. Pour dire, ok. Mais. Déjà, j'ai fait rope, mais je pense que j'ai pas fait sauvegarder. Jeu. My turn. Of course. So, ouais. Donc, aujourd'hui, particulièrement, on va farmer un peu. Au moins niveau 140-550. I feel like this, I just want to steal Wellburn. Yes. But no. So, ouais. Donc, on va farmer. Parce que le boss, la dernière fois, nous a juste. Comment dire. On était proche de l'avoir. Donc, je pourrais essayer de le refaire. Mais. Disons que c'est. Non. C'est comme ça. Yo, dude. Yo. Bonjour. Bonjour à toi et tout. Comment allez-vous-tu aujourd'hui? On va changer aussi des trucs. Ça on peut le changer. Il dit qu'on peut le changer, il change là. Comment vas-tu, Itsu, aujourd'hui? Est-ce que tu as l'impression que tu vas t'endormir aujourd'hui? En plein stream. Epicode 2. Viens toi. Je vais très bien, comparé à hier, c'est pas bien. Ah, yep. Bon, on m'a pas réveillé en sursaut, on m'a pas. J'ai eu un bon repas. J'ai du coup aussi dans le temps, je peux pas m'endormir. Eh. Désolé si. Si du Stardew Valley, ça t'endort. Ah, si ça t'endort, parce que le jeu il est relaxant. Bon, ça marche. Donc ouais ça, on va affronter des mobs. Et comme on fait ça au dernier étage, on aura beaucoup plus d'XP. Watch out, this is a tough one. Point faible, eau, j'ai pas d'eau. Too slow. Bon, ouais, le but d'aujourd'hui, c'est qu'on va farmer quoi? Une heure? Minimum. Et on va se rééquiper correctement, puis. Here. I suppose I should thank you. Here I go. Burn to it. Now's our chance. An opening. Onward. Ah bah. J'aimerais ça aussi aller voir. Parce que si je suis pas bêtis, genre je peux me crafter une arme.
Faut juste que je vois qui est-ce que je devrais le mettre. Parce que j'ai le choix. Mais il semble que c'est Rin que j'ai mis l'épée. La support du jeu. Là j'ai envie de voir est-ce que j'ai mis. Bonjour le bot. Est-ce que je devrais mettre l'épée sur Laura? Vu que c'est elle la plus haute. La personne qui fait plus de dégâts dans le jeu. Ou est-ce que la mettre sur Emma pour être capable de faire des dégâts magiques? La question qui tue. Arcus, activate. Let me help. Et pas seulement la question qui tue, des grenouilles ça tue aussi. I should thank you. How pathetic. Au moins, on gagne. On a 2600-3900 d'XP par combat. C'est quand même pas négligeable. Et ça pourrait être plus. Et j'avoue que je pourrais équiper. Non, c'est quel déjà? Il y en a un qui donne l'XP, il me semble. Lui. Ce level là. C'est établi mégalith, hein? Oui. A worthy adversary. Let's move. Bref. Donc ouais, aujourd'hui le but, ouais, on farm. On fait le boss. Si je me rappelle bien, il n'y a rien qui se passe après. Ça finit, fini. Pour de vrai. Here. I suppose I should thank you. Leave this to me. Lui donne capé, il faut pas attaquer. It's my turn. How about this? Ah, il est survécu. That's that. Let's keep moving. 3500. 400, wow, ok. Ok. J'avoue que le bonus de 1.1, ça donne pas beaucoup d'esprit. Quand on parle de 2444 à 2668, c'est pas beaucoup d'esprit. C'est au niveau 1. Pas aller là-bas, va aller là. A worthy adversary. Let's move. Now's our chance. Now, Laura. Understood. I'll handle this. The fuck, c'est quoi ça? Okay. Arcus, activate. I suppose I should thank you. Bon, Emma peut enfin jouer. Epica 2, ça coûte 375 plutôt que 500. Oh, c'est genre top. Very well. Arcus, activate. Onward. Quand ton spell le plus fort, ça coûte 125 de mana de moins. C'est rentable.
Puis là, quelles sont les stratégies pour battre le boss final? Normalement, je dirais l'esquive. Mais si tu fais juste esquiver, tu fais pas de dégâts. À part si tu joues Laura ou le Lapra. Mais même à là, il y a des attaques. Le boss peut faire des attaques. Tu ne peux pas esquiver. Bon, ça devient compliqué à décider quoi faire. Parce que soit j'y vais de la manière sûre, donc sécuritaire, genre Gami Healer pour juste. Je vais l'avoir. Je garde Mila juste pour healer. Puis mes deux attaquants sont là pour attaquer. Sinon, tu trouvais quoi comme sujet de conversation hier soir avant de te coucher? J'ai trouvé une sujet de conversation, mais qui suit ma première page de conversation que j'ai pas encore discuté. Ouais. T'as vu mon la convo sur mon statut sur Discord. Ouais, mais hier, oups, c'est pour eux, c'est pas. J'ai mis sur Discord à la recherche de conversation. Et j'en ai trouvé une. Sauf que ça fait une suite de non-conversations que j'ai pas encore discuté. Que... une page complète. J'ai envie de la dire, sauf que je veux pas genre dire. J'ai pas envie de la dire. Puis dire. Ok, genre, je parle, là, je finis le premier paragraphe, oui, c'est par un paragraphe en plus. Je parle, plus comme. Attendez, faut que je lise. Je parle, donc. Faut pas que non plus que j'apprenne mon texte par cœur, mais. Watch out, this is a tough one. Here I go. Mais disons que oui. Parce que, bon, le point à discuter, parce que merci, tu me fais rentrer dans le sujet. Pour eux qui savent pas, disons que je suis un. Pas un guide, mais genre. Un conseil. D'un gars sur YouTube qui dit si tu veux être populaire, essaie de faire ça. Le conseil c'était. Prends des notes. Mais peut-être pas pendant le dit. Prépare-toi un texte en avance. Genre crypté. Il disait. Fais des blagues cryptées, fais des trucs cryptés, genre. Sois crypté. Parce que quand t'es pas. Là, je suis même pas dans mon texte en plus. Quand t'es pas habitué de discuter avec le monde, ben, tu sais pas quoi discuter. Surtout quand t'es introverte. Mais bon. Faut dire que. Depuis, ça fait comme 2 semaines que je prends des notes. Il y a date, j'ai discuté qu'un truc qui a fait un flop. Mais faut pas le dire. Mais faut dire que je prends des notes. Qui ces notes là faut aussi trouver justement des sujets que je peux discuter même quand il y a personne comme dans cette note là que je suis en train de lire et ça principalement quand il y a personne juste pour dire au monde oh, ok les boys je suis en train de lire mais si tu parles avec le chat comment tu peux être crypté. Tu peux accrypter en parlant avec le chat. Très facilement. À mon avis. Comment accrypter avec le chat? Alors, tu peux faire une discussion. Alors, tu peux écrire un texte. Je pense que c'est même comme ça que les humoristes font. Ils écrivent un texte. Puis. Sûrement qu'ils classent des cases pour dire ok, improvise ici. Genre, attends une réponse. Puis. Parle à ça. Puis après ça, continue ton cryptage. Personnellement, c'est pas tant compliqué de crypter. Faut juste savoir bien jauger ce que tu dis. Ouais, c'est ça. Comme le temps, là, je suis pas crypté. Mais après ça, paf,
je continue genre sans transition sur mon texte. Parce que mon texte, hein? Mais pourquoi, premièrement, pourquoi est-ce que je prends des notes? Et pourquoi j'arrive pas avec l'idée comme ça dans ma tête? Simplement parce que je suis pas capable. Parce que ça paraît pas, mais c'est quand même stressant de streamer et de discuter en même temps. Surtout pour quelqu'un qui a pas l'habitude de discuter. Pour ça que, en plus, un, j'ai pas l'habitude de discuter avec le monde. Deux, j'ai beaucoup trop de sujets de conversation quand je dors. Ok? Je dis pas que je fais une insomnie, mais, il y a bien un gros mais, je suis pas capable d'arrêter de penser. Hein? Combien d'esprit, hein? Monter d'un seul niveau. Faudrait que. Si j'arrive pendant que je dors, c'est comme. Ok, je me réveille, je prends note, je repars. Ah, ok, pas de problème. Mais si. Il y a un sujet qui leur dit ah, ça, je pourrais parler. Prends note pour pas l'oublier. Puis voilà. Sauf que. Faut quand même dire que. On peut se dire que c'est. Attends. Il y a trop de mains dans tes phrases. Oui, parce que là, j'essaie d'improviser. Pas bon pour improviser, c'est le problème. J'essaie de réfléchir et parler en même temps. Ça marche pas. Évidemment, il y a zéro mais dans ce qu'il écrit là. Parce que ce que je suis en train de faire littéralement, c'est faire un exposé oral en train de jouer. C'est littéralement ce que je fais. Le problème, c'est que c'est pas autant plus simple qu'on peut y croire. Ouais, puis il faut aussi dire que selon le point de vue, on pourrait dire que je me force. Hein? Est-ce que je me force? Est-ce que j'ai l'air de me dire, ok, là aujourd'hui, que je trouve un sujet, let's go. Personnellement, non. Juste. En tant que ça m'aide. Uh-huh. Surtout que quand j'arrive avec un sujet vite fait comme ça, c'est pas un sujet qui peut dire ok, mais ça va prendre une heure. Non, c'est un sujet, ça va être genre ok, ça va prendre 10 minutes. Parce qu'en tant que tel, c'est. Surtout que en tant que introverte, j'ai jamais vraiment discuté avec le monde. Je suis genre du gars qui genre ah, je te connais pas, ok, ben je te parle pas. Puis à part quand tu me parles de trucs en commun, il n'y a pas vraiment de chance qu'on se parle vraiment, hein? Même si en tant que tel, je pourrais même dire que dans le chat en ce moment, on partage des points communs, mais on partage pas tous les points communs, hein? Watch out. This is a tough one. My turn. Il peut pas dire genre quoi vu c'est comme trop précis sinon. Surtout. Un, pas capable de parler avec le monde. Deux, parler autant longtemps. Ça va, c'est un défi hein, en soi. Là. Donc, c'est surtout une des raisons pourquoi j'ai commencé Twitch cet été. Pour être capable de discuter avec le monde. Parce que quand on partage pas chez qui, non,
On n'est pas à communiste à ce point-là, malheureusement. Mais veut dire. Mais pourquoi j'ai commencé de la stream? Parce que je commençais mon français 104 au sujet. Le français 104, c'est un cours de, ben, d'oral. Je me suis dit. Oh, veux en profiter. Ça faisait genre 2-3 ans que je voulais être streamer ou youtubeur, peu importe. J'ai déménagé, j'ai un deuxième écran maintenant. J'ai un bon ordi pour stream. Pourquoi pas? Pourquoi pas stream? En même temps, ça permet de moi être capable de discuter. Et ça permet aussi de, bah, de rencontrer du monde, hein. Dans ces temps immémoriaux de la COVID. Parce que des... quand t'as juste le coloc qui est là pour te parler, ça commence à être long. Sans rancune. Parce que je m'intéressais genre. Je m'intéresse pas au monde, sauf que je m'intéresse à leur histoire, leur hobby, c'est comme. Je m'intéressais, on va dire. Mais des... En tant que tel, des... j'ai commencé sur Twitch là-dessus. Mais... Puis j'ai continué à me développer, puis on est rendu à 32 followers. My turn. La qualité est en train de descendre par contre. Here I go. C'est ça. Burn to ash. Mais j'évolue avec Twitch, j'essaie de m'adapter au monde. Surtout comme Adata me suis adapté à toi et tout puis à Shaki. Et surtout que mon public, ben. Au début, il fallait avoir des publics québécois. It's my turn. Puis au final, ben, mon public est devenu. Il est devenu français. Now. C'est comme, ok, ben j'ai évolué. Sauf que quand même, c'est des. c'est une vraie question que je devrais poser à moi et à vous. Est-ce que, le frugilis, est-ce que je me considère et on me voit comme un créateur de contenu ou juste un gars qui joue à des jeux? En tant que tel, j'ai du contenu, je parle de temps en temps, c'est pas assez. Je joue à des jeux, c'est du contenu. My turn. Sauf que c'est pas le contenu que le monde veut. C'est sûr qu'avec le temps, effectivement, je vais être capable de faire du contenu genre. Merde. Let's keep going. Okay. Et si on me voit comme un gars qui fait jouer à des jeux. Probablement, c'est. Vraie question en fait. Pour toi, c'est quoi un créateur de contenu? Faut quand même se poser la question. Si tu dis s'il y a YouTube, je te réponds non. C'est comme un gars qui est capable de divertir son monde, qui est capable de faire des jokes qu'il veut, qui est capable d'improviser quoi. Mais en tant que tel, mon but principal, je divertis le monde. Ben, je te divertis. Sauf que je te divertis juste toi, malheureusement. Est-ce que je suis capable de faire des blagues? Non. Et ce blague que je suis capable de faire, ben, sont mauvaises.
C'est vrai qu'en tant que test, comme je suis assis confortablement sur le divan, puis je joue à manette, puis comme je suis mort mentalement. Je vais pas te faire, ok. Mais mettons. Ok, c'est qui le plus haut youtubeur ou streamer que tu regardes? Burn to ash. Ou tout, qu'est-ce qu'on a en commun? C'est la vraie question. Very well. Mettons Scott Falco, ok? Tu l'as vu, t'as eu un abonnement. Ce gars-là, c'est un créateur de contenu. Joueur du grenier, ok? Mais ouais. Mais le joueur du grenier, c'est YouTube. Sur YouTube, c'est que des créateurs de contenu. Mais sur Twitch, j'ai jamais regardé vraiment. Sur Twitch. Mais mettons, si je regarde, c'est The Forest, ces trucs sur Twitch, il y a manga, du The Forest, tu vois qu'il fait du contenu. C'est pas juste un gars qui fait genre je joue à des jeux PTDR. Il essaie de faire du contenu. Il fait des blagues, il fait des scènes. Là, tu vois que ça c'est le contenu. Donc Scott Falco, je dirais c'est un gars bourré qui joue à des jeux vidéo. J'ai pas tort, mais ça reste un gars qui fait du contenu. Okay, c'est le problème, la seule différence entre moi et eux, ben c'est l'expérience. Hein. Moi j'ai commencé il y a à peine 6 mois, eux ça fait... Ben, GDA ça fait 10 ans qu'il est sur YouTube. JDG ça fait 10 ans qu'il est sur YouTube, puis Scott Falco je pense que ça fait genre 3 ou 4 ans qu'il stream. Donc eux, ils ont réussi à trouver déjà ce que le public veut. Donc, trouver ce que le public veut quand t'as pas de public, c'est un peu compliqué, hein? Et mettons, si je prends l'exemple, XQC, pour moi, c'est pas un créateur de contenu, ce gars-là. Pour moi, c'est juste un gars qui joue à des jeux vidéo. Même là, c'est sûr que, un, je le regarde pas. Je peux pas trop voir c'est quoi son contenu. Mais des clips que j'ai vu de lui, c'était juste... Entre deux parties, il faisait une blague. Puis il discutait avec son public. Encore 41. Watch out! This is a tough. Here I go. Second form. Non, si après ce que je viens de dire, tu vois une différence. Oui, by the way, ça m'a pris du temps à réfléchir à ce sujet aussi. Donc. Si tu vois une différence entre un créateur de contenu et un gars qui joue simplement un jeu, je te dis, un gars qui joue à un jeu, ça s'appelle un gars qui joue à Fortnite et fait pas de commentary. Un gars qui se force pas à divertir le monde. Et en tant que tel, oui, il me force pas en jouant à des jeux que je connais et non populaires, mais il me force à discuter.
sais pas si tu vois plus que j'essaie de différencier. Parce que si tu me dis, ok, je vois toujours pas de différence, je te vois quand même comme un gars qui joue des jeux. Ok. Je vais dire, ok, c'est pas grave, tu vas le voir à un moment donné. Si tu prêtes attention. Mais si tu me dis, ok, oui, je vois une différence, mais tu restes toujours un gars pour moi qui joue à des jeux. Je vais te répondre, ok. Il faudrait que je change. Il faudrait que je m'habitue. C'est pas que je change ma personnalité complète, non, 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 pour ça que je dis. Je dis, ok, il faudrait que je me force à mieux divertir. Pour ça, il faudrait déjà avoir plus confiance en moi. Mais bon. Que je dis pas que c'est compliqué de divertir le monde, mais savoir ce qu'il faut pour divertir le monde, ça c'est une autre histoire. Watch out. This is a tough one. Let's move. Là, je dis pas. Burn to ash. Là, c'est facile à dire, ouais, c'est la même affaire. Now's our chance. An opening. What? My turn. Point faible, le feu. Mais ça se moque. Personnellement, je me considère 25% créateur de contenu. Mais pas complètement, vu que je sais que je suis pas capable. Pour l'instant, de dire, ok, ça, c'est le contenu, je suis capable de faire. Donc, il faut quand même dire qu'il y a des fois, il me dit, est-ce que je réfléchirais pas trop à la façon que j'agis, à la façon que je m'exprime. Clairement, clairement, je m'en fous un peu de la façon de m'habiller. À quoi je ressemble. Oui, les VTubers, c'est comme... Tu prends la même affaire, tu rajoutes 10 000 de moins de QI, puis voilà. VTubers. Let's keep going. Bon, j'aurais dû résumer par VTubers, créateurs de contenu. À côté des VTubers, tout le monde, c'est des gars qui jouent. Surtout que, ouais, ça, dès leur départ, les VTubers. Tu sais, ils sont pas genre, ok, genre, faut que j'aille genre 2, 3, 4 personnes. Non, c'est 1000, mais même plus que 1000 des fois. Juste parce qu'ils font partie du. Ben, d'un cirque. D'une compagnie. Qui font que ça. Genre, le but à eux, c'est genre. Si t'es pas capable de faire du contenu. Ben, il te renvoie. Dans le fond, faut qu'il fasse paraître qu'il est plus stupide. Hein. Je dis pas qu'il faut être stupide pour être populaire. Mais. Il faut quand même l'être. Donc, si t'arrives avec, sur Twitch comme. Bon, ok, moi j'ai 3000 de QI. Je suis. Le Fantasme Orcas. Je résous l'équation. Pourquoi t'es là, toi? Attends. Johan est dans le live. Viens dans le live, j'ai dit bonjour. L'ami de le live est genre 55 cold followers sur mon stream, mais justement. Bon, Yann, t'as senti qu'on parlait de VTuber, c'est ça? T'es arrivé à la rescousse. Son alarme de VTuber, c'est comme... VTubers. Watch out. This is a tough one.
My turn. Oh mon dieu. Peux-tu le scanner, s'il te plaît? Yeah. ok. I'll handle this. Arcus, activate. Mais disons, pour dire que tu sois d'accord avec moi, Yann, les VTubers, c'est les reines de, dans le terme de créateur de contenu. It's my turn. À côté de ça, JDG puis Antoine Daniel, c'est rien. Burn to ash. Fall. Now. An opening. Leave this to me. Bah, c'est sûr que quand on n'a pas le choix de performer, c'est réellement une compagnie, oui. Clairement. Surtout que leur but principal, c'est justement, si tu te divertis pas, t'es renvoyé. Pas plus indépendant, oui, mais... Baisser un peu le son du jeu. Voilà. Parce que je disais que... Attends, il y a même des auditions... En tout cas pour HoloLife. Déjà, il y a HoloLife FR. Sincèrement. Je sais pas si je vais la regarder vu que je regarde zéro contenu français. Mais ça serait intéressant. Niveau 42. Non, j'ai déjà mis du budget du fou. Oui, oui, j'avoue, oui. Quand c'est du terme scénario, GDG, j'avoue qu'il est fort, mais... mais les GDG, la différence avec les VTubers, qui est VTubers, il doit gérer du contenu. Il y en a qui gèrent du contenu, genre... Pendant 5 heures par jour, même plus que ça. Mais oui, c'est vrai que GDG, c'est le top tiers en termes de contenu français. Pour le scénario, mais surtout pour les 20 ans. Ça c'est bien, c'est drôle. Onward. Mais je veux quand même dire que GDG, il y a quand même une équipe de scénaristes derrière. Ils sont 3. Il y a une équipe de scénaristes des fois, ils sont 3 à réfléchir là-dessus, alors qu'une YouTuber c'est comme... S'il n'y a pas de backup, être seul à faire le contenu. Et puis j'essaie de suivre mon... Oui, parce que Yann, ce que tu sais pas tantôt, c'est que j'essaie de suivre un texte que j'écris. Mais là qu'on parle de VTubers, ben voilà, je suis pas capable de suivre. My turn. Now. I mean, tu vois qui pourrait trimmer n'importe quoi, puis voilà. Bon, mais là, c'est vrai que c'est le fait que Fubuki, la seule différence, c'est que là, elle est rendue dans un stade où est-ce que elle peut faire n'importe quoi. Puis ça dérangeait personne. Comparé à l'indépendante à côté qui, genre. Qui elle pourrait toujours faire n'importe quoi, mais. C'est plus compliqué pour elle. Pose-moi pas de questions, je suis trop dans les analyses en ce moment. Je suis plus informaticien, mais j'analyse trop maintenant. Bruh. J'ai pas encore mon diplôme, logiquement. Je suis pas informaticien. Ah, j'adore voir la série de manie. Mais c'est vrai que mettons si on prend l'exemple, on va dire Coroné parce qu'il y a trois personnes qui connaissent ça. Coroné,
Elle fait juste un bruit, puis tout le monde la félicite, ok? Sauf que pour une personne à côté, c'est comme, ok, je commence, j'essaye, ça marche pas. Ikabuka! Ouais. Juste ça, juste des Ikabuka! Ça fait que tu vois que genre, pff, la popularité a fait juste monter. Il faut quand même dire que c'est juste, c'est juste un jeu de Banjo-Kazooie. So. Donc, Ikabuka, ok, ça a marché. Mais ça parce qu'il y a eu du backup derrière. Juste parce que, oui, okay, pendant... J'ai regardé, j'ai quand même 2 heures. Là. Juste pendant 3 heures de temps. Même 4, je dirais. À chaque fois qu'il répare un Bumbo Jumbo, la tête de crâne, elle dit Ikabuka, ok? Donc derrière, après ça, il y a eu un gars qui a animé ça, juste regarder l'arme, les stats des armes, c'est comme ça, c'est pas bon. Il y a eu quelqu'un qui a animé ça, après ça, il y a eu plein de personnes qui ont racheté d'autres compilations de la même animation, c'est comme... Juste ça fait que la pop... Juste ça fait que... Coronée, elle a passé, je sais pas c'est quoi les chiffres. Mais ils ont monté, clairement. Après ça, il y a eu Yubi. Même si Yubi elle venait avant, mais. Faut quand même que t'ailles une bonne shot. Avec un 150k, genre moins de 2 semaines, waouh. Là, faut quand même que t'ailles. Faut pas que tu fasses l'idiot, mais faut quand même que tu fasses. Faut que t'ailles une bonne punchline. Faut que t'ailles du monde qui te back up. Et donc, pour un streamer, que ce soit une VTuber ou un VTuber indépendant. Yes. Ou un streamer comme moi qui commence. C'est pas le même feeling. C'est comme, je pourrais faire la même blague avant elle. Même si deux langues différentes, ça marche pas. Je préfère une blague, mais qui, pour moi, que j'ai cette popularité là, elle sera pas autant bonne qu'une autre personne qui est plus haute. I mean, cute animal, oui, je sais. Ça, je l'avais déjà parlé dans mon stream. Si tu veux être. Tu vas être populaire sur Twitch ou YouTube, deviens anime girl. C'est la recette miracle. Est-ce que je vais pour un autre niveau? Non. C'est quoi faire maintenant? Oui. Acheter. Non. Face Rig, acheter le DLC de Voice Pack, le DLC animé, télécharger une application pour modifier ma voix, oui. Acheter une nouvelle caméra parce que je suis pas mal sûr qu'elle va pas capter. C'est comme non. Je suis un homme, je suis gros, je suis correct. Ah oui, clairement. Easy. Non, mais Easy, c'est à Sandor. C'est fait du ASMR puisqu'à Sandor. Ah oui, Easy. Puis 5000 euros, t'es généreux. T'as pas vu que les Canadiens sont des shrimp? Ah, les Canadiens, ça a l'air que. On donne beaucoup d'argent, nous. Ah, Chama a fait un slip ASMR, puis je me trompe pas. 4. Ça me donne plus de magie. J'ai-tu vraiment besoin de Holy Breath? Oui, j'ai besoin de Holy Breath. Diablo, j'aime. Non.
Rushia Abeda. Eh. Moi, je suis content. Je suis pas trop ancré encore. Sûrement parce que je veux pas apprendre le japonais. Fait que temps. Epicote 1. C'est des qui vont coûter 47% de moins. Répète après moi. S-I-M-P. Shrimp. Je peux pas dire ça, Yann. Itsu. Je peux pas ban. Je te rappelle que le mot est banni sur Twitch. Juste parce que le monde, ils font... Ils ont trop exagéré. Sephiroth Ring... Ah, oh, ok, je vais booster ça. Il y a un moyen de level up ça. I mean, I'm not one and I don't care. I am one and I don't care, ouais. Parce que c'est comme... C'est fait qu'ils ont comme... Évidemment, je pourrais dire, ils ont comme genre ban 3 mots. Puis ils ont... Dans l'autobot, ils ont mis waifu aussi. Donc normalement, si mon autobot est activé, c'est écrit waifu. Il est censé te faire ban, mais je pense que le mien il est pas activé, donc... C'est ça, le mien il est pas activé. Hé hé, Nandayo. Non. Ça, on s'en fout. Magic Evasion, 25. Oui, Ibuki est fait. Ibuki est une des bonnes, une bonne tierre, mais... Ouais, j'ai un Saint Graal sur tout le monde. Comme s'il y a plus de vie. Je suis plus guerrier. Mais. Tu es plus guerrier. Monsieur, il a juste fini le premier. Hein? Il a même pas fini le deuxième. Il a même pas encore joué au troisième. Monsieur qui finit jamais ses jeux. C'est ton copain. Non, non. Pas du tout, hein. Bon. Essayons ce boss. Alors que moi, genre, j'ai fait le 1, le 2, je suis en train de faire le 3 en stream. Moi, ouais, j'ai joué au complet. J'ai même fait le School Day ou l'Island School à la fin du jeu, puis voilà. Ouais, j'ai même fait Ultra Desperger, c'est vrai. Mais on l'a abandonné. Juste parce que c'est chiant. Watch out, this is a tough one. Ah, c'est vrai, comment ça avec ta attaque là. Curse you. C'est pour dire que je les ai toutes faites. C'était chiant. I won't lose to the likes of you. Rats.
Hey, faut quand même te dire que Darien non pas comparé à ce jeu-là, hein. Il y a déjà eu plus de monde qui sont arrivés à partir de Darien non pas que des jeunes Furio. Ça qui me fait chier. Qui me fait vraiment chier. Oh, ok. Je vais chier vu que je me suis dit, ça c'est comme un jeu pas plus. Ok, là vous que le 1 et le 2 c'est plus récent, mais. Le famoso Tiz Game is awesome, oui, j'avoue, mais. C'est pas ma faute s'ils sont pas balèzes leur jeu. Mais dire si le jeu serait plus. Surtout que le 1, ok, ça fait 2012, le 2 2014, le 3 2018. Puis il y a le 4 qui arrive dans pas long sur PC. Je veux dire. Le jeu il est quand même récent. Donc c'est vrai que le jeu il est pas populaire. Mais. Ça veut pas dire. Il faut quand même pas avoir de monde. Juste pour être sûr. C'est ça que je pensais. C'est que j'aurais quand même voulu avoir plus de monde qui vienne grâce à ce jeu, mais j'ai compris que c'est pas populaire. Hein. De toute façon, c'est pas grave. Quand on aura fini. Non, personne, pas Persona. Derrière non pas, on va commencer Persona 5 sur PlayStation 4. Non, je dis pas que je vais m'attendre à avoir de monde. Je dis juste. Non, j'ai pas acheté un gâteau. Je vais directement le stream sur le PlayStation. Malheureusement. Et tu peux te questionner là-dessus, mais j'ai Shiaki, je sais plus où. Il est pas là. Il y a Shiaki, oui, j'ai un follower qui s'appelle Shiaki. Plutôt un cadavre. J'ai Shiaki que lui, il stream ses jeux à partir de la PlayStation direct. Puis il y a pas de problème. Il me dit, télécharge l'application Twitch, mais. Lis ton account, c'est tout. Et j'ai perdu. Ah, le vanish me tuait. I won't lose to the likes of you. Arcus, active. I'm not done yet. Perso, j'ai un gâteau qui marche bien, le seul inconvénient c'est. Ah oui, ça. J'aurais bien acheté un gâteau aussi, mais quand ça coûte 250 balles, je me suis dit. Not today. My turn. Shatter. C'est vraiment pour mon budget que j'en ai pas en fait. Ouais, c'est trop. Here I go. M'a coûté 350 balles avec le shipping. Oh, pire. De toute façon, surtout que j'ai réfléchi à ça. Oui, je peux m'acheter un gâteau. Quel jeu je peux stream? Pourquoi tu me fais du vanish là? Bon, j'ai compris, j'ai perdu. Ouais, mais bon, n'importe quoi, bon, je sais, mais des. PS4. Ok, j'ai pas de jeu vu que c'est la console à Yohan. La Wii. J'ai comme pas envie de stream Smash, disons. Sinon, j'ai pas d'autres jeux.
Parce que, ouais, je vais acheter un gâteau juste pour stream à Persona. Non. Mais même ma Switch, y'a pas de jeu. Genre 3 jeux, pis c'est tout. Oui, à un moment donné, il faut quand même se dire que, à part Persona, quelle console, quel jeu de console que je vais avoir qui va pas être sur PC? La question qui tue, hein? À part des exclusivités, il n'y a pas vraiment grand chose. Mais est-ce qu'il veut... Surtout que genre, ok, je voudrais le retour du démon Renard. You have my thanks. Je sens que tu vas devoir Pex. Ouais. Very well. Ça a l'air que Pex 1 heure c'est pas assez. I wasn't strong enough. T'as l'efficacité du stream PS4 sans stream. Je peux pas te dire comme ça, mais je dirais que ça marche quand même bien. Faut juste que je fasse des tests avant, mais... ça avait l'air de bien aller. De toute façon, je suis rendu au Murder Case numéro 3 de Danganronpa. Donc on n'est pas encore sorti de l'auberge. Pourquoi je suis perdu? Les deux dégâts sont dans la capacité. Pourquoi après la première fois c'est beaucoup plus legit que ça, certainement. Il montait d'un niveau, le jeu il est devenu plus difficile. Ça va me prendre une note. Moi j'ai Ring qui peut achever tout le monde. Okay. Là le problème avec le boss c'est que il me vanish mes persos. Il faisait pas de vanish la dernière fois, sérieux. Je m'en vais y aller, je te laisse stream ouvert à background. Good, merci. De toute façon la moyenne je m'en fous maintenant. La moyenne m'inquiète vraiment plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est des streamers, des viewers. Mais encore merci. Et vanish. Non, one shot kill. Nice. Alright, moi, je checker ça. Oh, mais. Et tu. Je vais t'aider la vérité. On a dépassé la moyenne de 3. Thanks.
grâce à toi puis à Shaki. La moyenne, je m'en fous. Ça va. Au tout début, je m'en foutais vraiment pas de la moyenne. Attendez, ah mon dieu, je vais avoir 50 followers avant d'avoir une moyenne de 3. Puis là, je suis désolé, mais les moyennes de 3, c'est le truc plus facile à avoir. Pourquoi c'est quand ça, ce combat? Putain, ils sont mes dégâts! Arrêtez de le soigner! Le problème, c'est que là, je dois gérer les. Je dois gérer les petits et le gros en même temps. Oh mon dieu, c'est qu'un ça. Ouais, tue-moi tout de suite. Tue-moi pour que je puisse me mettre anti-vanish. Allez, tue-moi. Tue-moi, s'il vous plaît. Il me reste juste Emma à mourir. Bien, est parti. Ouais. Mais c'est là qu'il me met en background. Là, je me fais qu'en série. Lundi, j'ai affronté le boss. Genre, il restait genre 40 000 PV, genre 2 jeudi. Puis là, je sais pas pourquoi, je peux pas passer son 10% de vie. Puis j'ai level up genre 2 niveaux. J'ai quand même 40 de stats. Ça devrait pas être différent. Juste parce qu'il vanish un de mes persos. Qui, quand tu vanish. C'est Coloc. Cool, puis quand tu vanish, bah, je perds le mana. Et on te dit bonjour. Et ouais, il t'en sueur parce qu'il voit le bro apparaître. Non, enfin, j'ai perdu. Je suis obligé de me mettre un anti-vanish. Juste pour me protéger contre le boss. Non, j'ai fait. Watch out, this is a tough one. Alt F4. Redémarrer le jeu. J'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. Non, c'est juste mon kidnappeur, en fait. Oui, en fait, tu sais pas, mais on me force à jouer à stream. Ça peut pas être ton kidnappeur, c'est un hologramme. On sait jamais. Bon. Anti-vanish. Clairement, l'anti-vanish, je dois le mettre sur mes dommages. Ouais, mais toi ça donne 15% d'esquive, 100% d'accuracy. Toi t'es protégé à tout. Revérifions nos quartes. Esquive, attaque, MP2. Est-ce que tu as MP3? Non. Défense 2, oui. Attaque 3, esquive 1. Détection ne sert à rien. Détection ne sert à rien en combat.
Je vais me mettre action 2. Pas action 2, action 1, non. Je peux pas interagir sur lui directement, mais je peux contrôler les câbles électriques. Non! Comment oses-tu? Chrono Burst, non merci. On peut y aller, mais attaque 2. C'est pas une autre. Un truc qui pousse mon attaque de 100. Oui. Sur ce voilà. Dragon Vein, c'est absolument rien ici. Sur je vais te donner Mind. ATA 50. Oui. Est-ce que... Regardez s'il y a quelque chose de plus fort. ATS 100. On va dire que tout est correct. Ingenuity ne sert à rien en combat. Le problème, c'est qu'il n'y a rien qui sert. Ah, mana. Non, là. Il n'y a plus personne qui devrait être vanish. Excepté Laura, mais Laura, on s'en fout d'elle. Bref. Laura trop DPS. Top DPS, oui. Littéralement, si. Avec son bonus de 50% d'attaque et son ulti, c'est littéralement le perso qui fait plus de dégâts. Le gros problème, ben, c'est le perso le plus lent du jeu. Logique. C'est peut-être qu'il n'y a pas d'option juste de skip. Éloigné, non. Il y a des éloignés, donc ça sert à rien d'éloigner. Non. On commence par un petit dégât. Il va peut-être nous soigner en premier. J'ai mal joué. Premier moment du jeu, j'ai mal joué. I suppose I should thank you. I'm not done yet. Bon, je pense qu'on veut la perdre tout de suite, donc. Oh, I need to turn this around. Ah non, je survie, je survie. I won't lose to the likes of you. So, juste deux attaques, quand même juste deux attaques, hein. J'ai quand même enlevé 20 000 PV. 16 000 PV. My turn. Si je dis pas bêtis, si je fais ça, c'est tout. Il fallait un point. J'ai mon un point. Et si je fais ça et ça, ça devrait tuer toutes les minions. Excepté un. Witness.
Very well. Give me ce heal. C'est le rap blessing pour gagner de craft point et gagner la vie. Bref. Pas de détails sur ce que je dis. Je vais quand même continuer mes notes. Parce que si je finis pas mes notes, on va jamais finir. Ouais, ce mes notes qui était pourquoi je prends des notes. Et ça. 18 000, sérieux. Il y a combien de vie? Oh, juste 79 000. Juste qu'il ne meurt pas. Very well. Arcus, activate. Parce que ça, ouais, parce que pourquoi je prenais des notes? Il faut citer que faut peut-être dire que je réfléchis trop à ma conduite. Non, ça je l'ai dit. Parce que il faut que je réfléchisse à ce que comment j'agis et comment je parle, vu que tu sais à un moment donné j'ai eu genre 8 followers en semaine, me dit oh let's go je vais être capable d'atteindre les 50 followers comme si comme facilement. Oui, il peut toujours se soigner lui. Puis genre comment j'écris ça? C'est comme si je devais me forcer car il me faut 20 followers. C'est ça. Parce que j'ai comme l'impression comme. Ok là. Ok, j'étais capable d'avoir 8 followers en semaine, mais je me suis dit ok, donc c'est la petite personnalité là. Faudra que je soigne quelqu'un. Miss. Je me suis dit, attends, comment j'ai écrit ça? Car je suis sûr d'être capable de l'avoir, mais à un mois. Car pour ceux qui étaient là, je vais me répéter. Alors c'est pour ça que je prends des notes pour améliorer mon suivi. Non, je me répète tantôt, bordel. C'est sûr que ça c'est méta, ok? En lisant mes notes, j'ai pris des notes. Donc je disais qu'en lisant mes notes, je voyais que je constate que je suis pas capable de me lire. Non, je suis même pas capable de me lire. Ah oui, je constate que la façon que j'écris mes notes pour des... Ok, je vais faire des notes quand je suis tout seul. Oh, mes notes, c'est pas ça. Les notes, c'est genre, ah, s'il faut qu'il y ait au moins minimum genre 2 à 3 personnes. Est-ce qu'il peut arrêter de se soigner, lui? J'écris tout. Attends, je vais te montrer mon écriture si on est capable de le voir, là. J'écris en lettres attachées, ok? Donc j'écris en lettres attachées de médecin. Ça te donne un indice. My turn. Donc, tout réécrire. Oui, je pourrais. Je serais capable d'écrire. Je suis capable d'écrire en lettres détachées. Mais c'est comme. Ça va prendre dans plus d'une seule page. Bon. Ici, j'ai écrit. Surtout que le plus drôle dans l'histoire, c'est vrai. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que j'ai l'impression de me forcer beaucoup plus à. Est-ce que je suis pas de me déplacer? Emma, oui. Non. C'est dans le plus drôle dans l'histoire que j'ai l'impression que je me suis forcé. Dans toute ma vie,
J'ai l'impression de m'avoir forcé plus à faire ces notes-là que à avoir travaillé sur mes travaux. Puis c'est quand même quelque chose à dire parce que le français, pour moi, il fallait que je me force. Alors vraiment. Alors, si je me forçais pas en français, non. C'est un gros non. C'est juste le plus drôle là-dedans. Bon, maintenant ça c'est fait. Fait. Maintenant je peux continuer avec cette page-là. Et c'est vrai que je suis pas capable d'écrire. Là, je suis capable d'écrire. Pour dire, ok, je vais parler de ça, mais. Je suis pas capable de structurer la façon que je vais l'écrire. Overdrive. Overdrive. Soit pour résumer, je prends des notes pour écrire. Je sais pas comment l'écrire. Je suis même pas capable de tenir à mes notes. Puis les VTubers atterrent le monde. Et ça devrait toutes les tuer. Excepté un. Deux. Here I go. Bien fait, bon, ils sont faibles à ça, oui. Here I go. Gale. Premièrement, c'est clair que mes notes. Prochaine note que je prends, je vais faire attention à ce que j'écris. À comment je l'écris plutôt. J'aimerais bien outil pour te sauver, mais. Ah, y'a pas de mais. Ok, j'ai fait pas autant de PV que j'ai pensé que j'allais lui faire. Je vais préparer au cas où, non. Call a lie? Non. I one shot. Ben, ça mieux quand même. Et gaspiller quelqu'un. God damn it! God damn it, Rin. T'aurais pas pu pas te faire sock, s'il vous plaît? Here I go. Je demande un truc. Pas si compliqué que ça. Fais-toi pas sock. Pardon. Let me help. I suppose I should thank you. My turn. Comment gérer ça? Marcus, activate. Ah, j'avoue que si c'est vrai que la dernière fois je faisais du counter. Pour pas me faire vanish. J'avoue. Si je faisais ça là.
Le mot shrimp est interdit, mais pas le mot sac. Non. Donc, même si le mot sock est banni, tu peux le trafiquer pour dire ouais non j'ai pas dit sock, c'est K. Non on dit sock, c'est C. C'est pas la même affaire. Hein. C'est deux trucs complètement différents. Ah. Anti-purification, merci. Yeah. Thank you very much. I'll handle this. Now's our chance. Don't let it pass. Right. Understood. Le problème que ça y tue pas. Of course. Ouais, non, je vais être. 36 000, je fais pas assez de dégâts pour ça. Délai 11. Ok, j'ai pas envie de perdre mon overdrive pour heal en même temps, justice pour rien. On va gambler. Attaque. Soutien. Attaque. Quelque chose. Si je fais ça, ça devrait canceller peut-être. Yes. I'll handle this. Bon. Et là, il est midlife. Yes. On va débalancer. Let's move. Avant ça. Ça sert à rien de débalancer si. J'espère qu'on va être capable de le finir hein, parce que ça me tente pas de faire un autre stream juste pour dire ok on farm encore. Very well. Onward. Assez, non. My turn. All right. Unforgivable. Et voilà. With... 82 000. Yes. Juste que je fasse 15 000 pour la sortir. Et tout le monde se fait one shot. Unforgivable. I won't lose to the likes of you. Thanks. You have my thanks. Thank you very much. Let's move. Là, tout le monde se fait one shot parce qu'il est rendu mid life.
on avance. Si on est capable de vanish pour un coup, ça. Si on est capable de le gérer comme on est capable de le gérer en ce moment, on va être capable. Tsuki, Tsuki. Mais 4000 recrash ring. Il faut qu'il devienne un chat dans le futur. J'ai pas repris des notes. Ça a même pas duré un an. Comment ce qui fait one shot? Ah, ok. Call a lie, yes. Moi, yes. Un peu forcé de faire ça, sinon il va se soigner. Donc tu mords? Oui, c'est mort. It's my turn. Serena Blessing. I suppose I should thank you. Lui va suck. Non. No suck for me. Et Renema. Ok. Il agit encore. Oh. Il fait son cancer. Thanks. Ok. My turn. Parce que rendu là, le jeu est pas compliqué, il est juste. Il est très gérable même. Faut juste que je. Ben je m'en pas. Juste que je sois capable de gérer mon mana. Et mes persos. Jusqu'à temps que. Ah, bonhomme de neige. I suppose I should thank you. Yes. Curse you. My turn. Parce que là, vu qu'on est rendu au quart de sa vie, il est en mode cancer du sens qu'il est. Ses délais sont très rapides à cause. Thank you very much. Bon, il va spammer beaucoup plus, de plus en plus les attaques. It's my turn. Let's move. All right, let's do this. Bon, s'il spam beaucoup plus, bah c'est. Il perd beaucoup plus de temps à soigner. Quatre. Peux-tu ne pas voler mes persos, s'il vous plaît? On est comme un peu besoin. Soigne-toi de c'est ça maintenant. Puis au moment qu'il y aura un call alive, il peut faire un overdrive. Est-ce que je peux faire un overdrive? Oui, je peux. Now.
By the way, Itsu, c'est quand qu'on se met. on s'affronte là. Je vais affronter ta chi qui pourrait être one shot. Et ton. Non, armor intensify. Je pense qu'on s'est jamais cédulé quand on va s'affronter. Non. Il fallait juste deux niveaux pour l'affronter en fait. Here I go. 129 000. Easy. My turn. Et on peut finir avec ça. GG, on l'a. On a gagné. Et bordel. Dis-moi pas qu'une phase 2, s'il vous plaît. Ça m'a beaucoup moins cancer que le boss final. Mais long gros boss final du 2. GG. Et tu? Le chat? We did it. Indeed, we earned our victory. En fait, la question, en fait, class 7's over. On pourrait quand même s'inventer tout de suite, car tout ça va être fini. It's been a year I doubt I'll ever forget. Yeah, it really has. I had so much fun! Huh? Why am I... Milliam! Are you? What's wrong with me? I only came here because Gramps ordered me to. So why am I... It's okay. There's nothing wrong with you at all. Regardless of why you came to be here, you're as much a member of Class 7 as anyone else. But there's no shame in crying when you feel sad. Yeah, that goes for us too. Bon. Come on, guys. Knock it off. They're not the only ones who want to
What a way for everything to end. There's no point in pretending you don't want to cry too. Yeah, you're right. Care about each other so much. Well, I didn't see this coming. Yeah, but even still. I swear. Je t'en pas. Non, non, non. T'as juste pas entendu ce que j'ai dit tantôt, c'est juste ça. J'ai juste posé la question, c'est quand qu'on s'affronte. They've probably been bottling this up for quite some time. I'm sure they have. And yet they've never let it show. Quand on s'affronte sur Crush Tag, je vais affronter Tashi et l'autre. Armor to the Fates. Quand tu veux. Non, mais je sais pas combien de temps ça va prendre ça, mais peut-être après le stream. Hein? Ça te dérange pas, là, si il est pas trop tard pour toi. Girl! Fuck off! Non, en vrai, j'étais parti mettre des gouttes et me brosser. Ok. Ouais, à chaque fois que tu disparais, c'est comme. Moi, je pensais que t'étais toujours là. C'est comme. T'es-tu là? T'es-tu là? Je peux en faire 2-3. Ok. Well, thing. Ici. Si je savais, mais l'autre, c'est Armor Intercify. Pourquoi j'ai pris un accent russe? L'armoire d'Intercify. Well, I guess this is goodbye for now. Take care of yourself, okay? I promise to write to you when I can. Ah, chérie, nous, on est encore étudiants. Thanks. I wish all of you the best too. Although, to be honest, I get the feeling we'll meet again before long. So do I. Besides, the Empire is smaller to us than it is to most people. Yeah, if I use Lammy, I could be anywhere in no time. This isn't goodbye as much as it is. See you again soon. In the meantime, we all have our share of duties to fulfill. Yep. But as soon as they're done, well, you know. Of course. Here's hoping our time apart treats every single one of us well. And just look at those Lino flowers bloom. Ou sinon on peut se faire demain, comme ça on aura beaucoup plus de temps. This is truly a season of new beginnings. I suppose I might miss the scenery. On peut faire les deux. Oh mon dieu. Okay, what's up with you guys? Instructor? For all that you've done for us this past year, thank you very much. We wouldn't be here ready to start a new stage in our lives were it not for you. Your teaching methods may have seemed unorthodox or even unreasonable at times, but it's hard to argue with the result. We thought it was only right to take the time and thank you before we said goodbye. So, we decided to surprise you. Still, given the opportunity, I would be happy to learn more from you someday. You kids are just... Oh, now look what you've done. I was planning on being all cool and mature until the very end. And I was doing so well, too. You lost sight of both cool and mature a long time ago. Looks like our surprise was an A-plus success. I think we might have gone a little overboard, actually. Maybe all this was a little too cruel, Emma. It certainly seems that way. But I thought it would have been derelict of me as class president if we didn't do anything. Oh, so this was your idea, was it? And it begins. What a wonderful way to bring everything to a close.
Donc, chaque étudiant va partir de son côté. On sait pas trop ce qui va se passer. Bon, une cinématique. Je suis en train d'écouter une vidéo là. pas le moteur de jeu qui joue. C'est une vidéo que je regarde. Bon. Ça. Ouais. Nous sommes encore étudiants. À cause qu'on a quitté l'école pendant deux mois. Un mois plutôt. Bonjour. Moi je vois ça, c'est comme un gars qui est let's go. On... Il y aura pas de 3, il y aura pas de 4. Non. il y a un 3. Reed Trouser, voice by Sean Chiplock. Ouais. Je vais faire mon review encore. Personnellement, le 2 versus le 1. Perso, j'aime beaucoup plus le 2. Même si le 2... Là, ça a pris beaucoup plus. Ça a pris 10 heures de plus à faire le 2 que le 1. Mais je considère quand même le 2 comme un DLC. Qui coûte plus cher que le 1. Je suis pas contre les jeux qui ont une suite directe pour dire ok. T'as ce jeu-là, tout de suite direct. Puis voilà. Mais. J'ai quand même conseillé que le 1 c'est un build-up pour le 2. Pour savoir qui est le DLC pour qui, c'est une autre histoire. Écoutez, je considère quand même. Je lui mettrai la même note que pour. Conceal 1. Donc, j'avais mis 7 ou 8. Je mettrai la même note. Le fait que c'est comme c'est super intéressant de pouvoir avoir plusieurs d'autres personnages, sauf que c'est une valeur qu'il y a 6 personnages qui ne peuvent pas jouer jusqu'à temps jusqu'au dernier niveau, mais bon. Générique. Générique. Pour dire que le jeu très intéressant. Si t'as pas joué au 1, malheureusement tu prends rien au 2. Y a quand même le moment qui genre qui font des références au 1, etc. Dans le 1, tu sais ok, ce personnage là c'est qui. Dans le 2, c'est comme. Ils font pas attention pour développer un personnage genre, que tu viens de rencontrer dans le 2 vu que tu les as déjà rencontrés dans le 1. Good, ok. Je vais quand même continuer mon histoire. Puis, c'est ça, donc, comme oui, ok, c'est quand même le fun d'avoir. Aider le monde à faire une autre histoire, se contacter, c'est comme. Le plus drôle, c'est que quand tu regardes. Non, je viens d'en revenir, ok. D'accord. T'as quand même mis des gouttes. J'ai pas entendu le début, mais la fin. Okay. J'ai juste que le 1, j'ai un build-up du 2. C'est ça que je disais. Puis, c'est ça. Donc, le 2, très intéressant. T'as peut-être t'as un tiers de speed de plus que les autres. Toutes tes compétences ont un level-up supplémentaire. Très intéressant. Jusque cette valeur que... Il y a comme... Ouais. 4-5 persos que tu peux pas jouer. Je serais me répéter. 4. Jusqu'à temps que tu arrives au dernier niveau, c'est comme. Ok, c'est comme. Ouais. Il y a Toval, Claire, Sharon, la soeur, la princesse, puis. Angelica, tu peux pas jouer. Puis il y a Thomas qu'il faudrait qu'on joue. Exactement. Puis c'est vrai que. T'imagines, on voit l'histoire de Demo, mais on l'a jamais vraiment développé non plus. Mais bon. Ça, faut pas le dire. Mais le jeu était bon.
Mais il y a que le 1. Beaucoup de balance versus le 1 en termes de core. Mais il y a toujours le problème de l'attaque et la défense. Je suis peut-être en hard, mais ça n'explique pas les one-shots. Des one-shots avec un bonus de 25% des fois. Même si c'est vrai. C'est vrai que je ne bulle pas stat buff, mais... je voudrais quand même. Je voudrais que je mette le jeu sur 7 à 8. Entre 7 à 8, puis... je le recommande. Hein, si tu as envie de suivre une histoire, les Legend of Heroes sont une bonne série. Mais évidemment, faut aimer le style du jeu. Tu dis quand même que ça a l'air d'être un jeu PS2, PS3. Je vais te répondre oui, c'est un jeu PS3. Surtout le premier. Le deuxième, je pense qu'il est PS4. Sincèrement, si je devrais rejouer un jeu, si on me dit t'as qu'un seul jeu, tu dois le jouer pendant 10 fois d'affilée, réponds ce jeu-là. Parce qu'il est bon. Merci d'avoir joué au jeu. Mais pendant que ce jeu peut être fini, l'histoire de Rebonia n'a que le début. Juste cette phrase-là dit: ah ouais, les deux premiers jeux, c'est des build-up pour un autre jeu. Les six ont sauvé le monde. Bullshit. Non, c'est classique. What the fuck, quoi? Finis le jeu en hard ou en nightmare. Ok. Et on a fini. J'ai profité de la petite intro. Il y a même le fantôme de Crow derrière. Fuck off. Fait que Crow est mort, ça me fait chier. Mais pourquoi j'ai... ok, genre, j'ai un backup save de l'épilogue au niveau 200. À save 200. What? Bref. F4 le jeu. Musique. Donc c'est ça. Donc on a fini Legend of Heroes 2. Alors on va commencer Legend of Heroes 3 pas la semaine prochaine. Peut-être pas la semaine d'après. Non plus. On va décompresser de Legend of Heroes. On va décompresser des RPG pendant un petit bout. Parce que la semaine prochaine, pas samedi mais lundi, je vais faire mon plan Minecraft. Construire un château. Hein. Zéro talent, un but. Je suis pas construiseur. Je suis pas quelqu'un qui construit des châteaux à l'habitude, mais je vais m'essayer. Mais bref. C'est ça. Donc, merci à tout le monde d'être venu ce soir ou cet après-midi.
Merci de m'avoir encouragé, on va dire, pas affronter le boss. C'est bon. Prochaine fois qu'on va se voir, ça va être samedi. À 1h UTC moins 4. Sur Persona V3. Non, pas Persona. Danganronpa, je suis perdu. Persona. Danganronpa. V3. J'ai une musique de Persona, donc je vois le mot, puis je dis le mot. Ok, bref. Danganronpa V3. Ouais, on va continuer le meurtre de Angie. Je pense pas que je vais aimer Persona V3. Bref. Maintenant que je parle. Ok, pense. Je réfléchissais à ça. J'ai vu ça sur Twitter tantôt là. Striker va avoir. Ils vont partir en un stream le 18. En même temps de la sortie de Striker. Je dis ça de même. Bref. Y'a-t-il autre chose à dire? Ah oui. Si toi là, toi, oui toi. Si toi t'es pas follow, t'aimes le contenu que je fais, même si j'en fais pas beaucoup, je te propose de follow. Mais bon. Si tu te reconnais pas, ben c'est pas. On va aller faire des châteaux de sable là, comme ça on va monter notre relation. Bref. And don't forget. I'm running this fight. Oui, oui, j'arrive. Je vais pas le stream. On va jouer en, on va jouer offline. Bref. Encore merci à tout le monde d'être venu ce soir. On se revoit le samedi. Et d'ici là, soyez sages. Reposez-vous bien. Ne vous endormissez pas dans le stream. Et on se voit à la prochaine. Puis toi et Tidou, on se voit dans 30 secondes. Bye bye. Non, 30 secondes. 30 secondes après le décalage. Donc dans une minute. Bye bye. j'ai du fun.